On va commencer avec la planche de la jambe droite. Donc, quand tu fais sortir le ventre est soutenu, je viens plier ma jambe droite. Je vais amener mon genou vers mon coude gauche. Dans cette position, c'est avec l'intérieur de la cuisse vers le plafond. Je reviens. Je vais tourner un petit peu pour avoir le côté de la cuisse, l'extérieur de la cuisse vers le plafond. 5 pulsations pour 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens. Position initiale. Plie la jambe droite. Plié. Coude, genou. L'intérieur de la cuisse vers le plafond. On revient. Tourne un peu ton corps, le côté de la cuisse vers le plafond. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. On va relaxer un petit peu. On va le faire avec l'autre jambe. Ça fait complexe, hein, mais en même temps, on pense à autre chose. Oui. C'est méditatif. Oui, c'est ça, c'est ça. Okay. Fait qu'on va changer de jambe. Jambe gauche, puis coude. 3. Alors, planche. On vient plier la jambe. Genou coude, l'intérieur de la cuisse vers le plafond. Et ensuite, je viens virer mes jambes, le côté de la cuisse vers le plafond pour 5, 4, 3, 2, 1. On revient position initiale. Plier le genou gauche. Et le genou, voyons, coude. On revient. Tourne le corps pour avoir l'extérieur de la cuisse vers le plafond pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient. Je vais faire la taille sur les avant-bras. Je vais commencer côté droit ou côté gauche. Je vais me mettre sur le côté. Puis là, c'est la taille d'en dessous que je vais aller chercher. Donc, je vais pousser ma taille sur le dessus vers le plafond. Et c'est l'en dessous que je vais venir, qui va se contracter. Vous allez le sentir. Ensuite, je vais faire au centre. Puis ensuite, l'autre côté. Puis tu pousses vraiment ta taille vers le plafond. Donc, quand tu es en position, tu vas sentir ta taille travailler. Puis là, tu vas pousser pour la sentir encore plus. Pas de « je la sens pas, je pousse, je la sens », tu sais. Positionne-toi pour être en contraction, avoir la bonne position, puis de là, fais tes pulsations. D'accord? Alors, je fais un cadre. Mes doigts sont bien ouverts. Je suis pas à côté sur mon épaule. T'sais, si je suis à côté sur mon épaule, j'aurai mal à l'épaule en faisant cet exercice-là. Donc, bien dégagé. Tu peux avoir les pieds un sur l'autre ou un devant, mais on va les faire un sur l'autre. On commence avec les jambes pliées, puis dès que je vais remonter, je vais retirer mes jambes et tout encore. Alors, en position, hop, entre le ventre rétroversant et hop, position neutre avec les abdominaux. Pousse ta taille vers le plafond. Tu pourrais même mettre une main vers le plafond parce que c'est comme un redressement que tu fais vers le plafond. Pour 5, 4, 3, 2, on va revenir au centre. Pas revenir parce qu'on n'est pas allé encore. On va aller au centre. Sur les avant-bras, pas de fait sortir les abdominaux bien soutenus. 5, 4, 3, 2, 1. Le bras sur le côté, on s'en va de l'autre côté. Donc, coude aligné avec l'épaule, si tu veux, main vers le plafond, pour 5, 4, 3, 2, 1. On revient au centre, sur les avant-bras, le ventre bien soutenu, pas de pression sortie. Pousse la tête vers le mur, les pieds aussi, 5, 4, 3, 2, 1. L'autre côté, sur l'avant-bras, l'épaule alignée avec le coude ou le contraire, pousse vers le plafond, le ventre soutenu, 5, 4, 3, 2, 1, on revient au centre, ventre soutenu, un beau cadre, les bras bien tendus, même si pliés, 4, 3, 2, 1, dernière fois sur le côté, donc ventre, le ventre vient bien isoler ta taille, pousse vers le plafond, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, on relaxe. Sur le ventre, grenouille. Quand tu fais la grenouille, essaie d'aller chercher, c'est sûr qu'on va chercher les fesses et le derrière des cuisses, les ischios, mais essaie d'aller chercher aussi le haut de la fesse. Ça va être plus difficile, mais ça sera ton défi. Puis on va garder la tête près du sol pour ne pas avoir une courbe encore plus prononcée dans le bas du dos. Alors, en position, hop! Donc, mes pieds sont collés ensemble, je lève les jambes, je viens pousser mes pieds vers le plafond. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, plus haut, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche avec les mains, on pousse le bas du dos, on étire les fesses d'un côté et de l'autre. Puis le muscle, il pèse plus que le gras. Un exemple, là, parce que moi, je fais beaucoup de la natation ces temps-ci. La personne là, qui est full musclée, là, puis qui n'a pas de gras, là, la personne, elle va sauter, puis elle va venir couler carrément dans le fond de l'eau. Puis la personne là, qui a du gras, là, elle va flotter. Fait que c'est ça, le muscle, il pèse plus que le gras, mais c'est ça, tu as des gros muscles, puis c'est dur à soulever. Mais je flotte, ça va. Mais non, tu flottes pas, toi, voyons. Dans l'eau, oui. Tu flottes? Ben oui. Pas là, là. Là? Ben, tant mieux pour toi, là, mais en plus, tu coules. T'es comme, tu restes à niveau. Tu restes comme entre deux. Mais c'est vrai, la muscle, il pèse plus. C'est plus lourd, puis tu sais, des gros muscles, puis les muscles sont imposants, puis sont lourds. Cercle de la jambe. Rentre le ventre rétroverse, bien vient isoler les adonis. Puis là, tout le monde, on va faire un redressement assis pendant qu'on va faire l'exercice. Donc, rentre le ventre rétroverse, redressement assis, on pousse, on tient, deux jambes étendues. Lève la jambe gauche, plié. Développé, extérieur et 1. 2, frôle le sol, j'ai l'intérieur de la cuisse vers le plafond, on remonte et 1. 2, extérieur et 1. 2, frôle le sol, légèrement intérieur, et 1. 2, jambes étendues, le derrière du genou collé au sol, extérieur, 1. 2, frôle le sol, on remonte, et 1. 2, extérieur, et 1. 2, frôle le sol, on remonte, et 1. 2, dernière fois, extérieur, et 1. 2, frôle le sol, légèrement intérieur, et là, tout de suite dans l'autre sens. Donc, légèrement intérieur, frôle le sol, stop, rotation externe, et on lève avec l'intérieur de la cuisse. Mes deux jambes sont bien tendues, légèrement intérieur. Frôle le sol, stop, rotation externe et on tire, tire, tire avec les abdominaux et l'intérieur de la cuisse. Intérieur, frôle le sol, stop, rotation externe et on tire, 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 tire. Intérieur, frôle le sol, stop, rotation externe et on tire, 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 tire. Dernière fois, intérieur. Frôle le sol, stop, rotation externe et on tire, 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 tire. Et on relâche. Mais il y a aussi que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de pilates puis que c'est des groupes musculaires que tu es peut-être moins habitué de travailler. Mais oui, on va augmenter la fréquence de tes cours. Ah, d'accord. Change de jambe. Donc, rentre le ventre rétroversé, redressement assis, on pousse, on tient, plié, développé. Je peux mettre une main derrière la tête pour supporter ma tête. Extérieur et 1. 2, frôle le sol, légèrement vers l'intérieur et 1. 2, extérieur et 1. 2, frôle le sol, légèrement intérieur et 1. 2, extérieur et 1. 2, frôle le sol, on remonte et 1. Tu sais, moi, en ce moment, là, mes abdominaux sont en train de brûler. Là. Je les sens, là, c'est comme chaud puis froid en même temps. Dernière fois, extérieur et 1. 2, frôle le sol, on remonte et 1. Et là, je vais aller tout de suite dans l'autre sens. Intérieur et 1. 2, frôle le sol. Là, c'est difficile. Il faut que je lève avec l'intérieur de ma cuisse et mes obliques. Intérieur, 1. 2, frôle le sol, rotation externe et on tire, 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 tire. Et je garde toujours le bas de mon dos bien enfoncé dans le tapis, mes abdominaux bien soutenus. Et on monte, on tire, 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 tire. Encore deux fois. Intérieur. Frôle le sol, stop, rotation externe. Et on tire, 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 tire. Dernière fois. Intérieur. Frôle le sol, stop, rotation externe. Et on tire, 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 tire. Yes. Et on relâche. On relaxe. Tranquillement, on va se lever. On a presque terminé. Et on va se préparer pour faire des squats. Squat, là, c'est un exercice. Mettons, tu n'as pas beaucoup de temps, là. Puis tu veux vraiment travailler l'essentiel. Squat, c'est vraiment un bon exercice qui va travailler tes quadriceps en même temps que tes ischios, mais qui va travailler aussi à remonter les fesses. On aime ça. Ben, moi, j'aime ça, là. Les pieds, la largeur des épaules, le ventre soutenu. Donc, mon dos va être aligné avec mes tibias. Donc, plus je plie, plus mon corps va être incliné. Puis en revenant, je reviens. Puis je suis pas obligée de revenir jusqu'au bout. Et même que je pourrais toujours garder la contraction. Descends les épaules. Descends et 1, 2, remonte et 1. Et là, si j'avais des poids, je pourrais même tirer mes bras derrière. Tu vois, hein? Oh, il n'y en a pas d'autre. OK. Descends et 1, 2, 1, tire. 1, 2, 1, tire. 1, 2, 1,
inspire. 1, 2, 1. Et là, on va rester en bas. Garde la position. Moi, j'ai toujours un genou qui s'en va vers l'intérieur de même. C'est un problème que j'ai, là. Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention pour bien être alignée. Peut-être que toi aussi, tu as ce même problème-là. Peut-être que ça va loin. Et on remonte. Hop, tranquillement. On relaxe un petit peu. C'est vrai, on peut faire des bras un peu. En attendant de refaire les squats. Bassin neutre, abdominaux soutenus. Descendez les épaules. Tire les bras. Là, ça va être poids ou pas de poids, là. Il y en a une qui en a pas. OK. J'en ai, moi, je suis toujours en arrière, j'en ai pas ce moment. Et 1, 2, parce qu'il faut aller plus lentement, parce que, mais toi, tu peux aller plus rapidement, tu n'as pas de poids. 4, les bras bien tendus, comme si je venais pousser les murs, mais je fais des cercles. Oui. Les abdominaux sont soutenus. Et là, je vais aller bientôt dans l'autre sens, même chose. Et 1, 2, 4, 5, 6. Attention, tu vas t'envoler. Ben, c'est ça que je compense. Ben oui, je sais. Ok. Moi, je vais m'envoler. Nous, on est là. Et là, descends bien les épaules, les biceps vers le plafond. Je garde toujours la même position. Là, je vais pousser mes biceps vers le plafond. Et un, pousse. Puis là, je garde quand même mon dos neutre. Trois. Mais pas d'haltère. Les gens, ils font encore plus rapidement. Puis, je te le montrerai après. On va le refaire vraiment vite, puis eux, ils suivront comme ils peuvent. Non, mais il faut faire attention, parce que quand tu as des haltères, si tu vas trop vite, tu peux te blesser aussi. Et là, on pousse vers le plafond. Et là, on va aller dans l'autre sens. Pousse les biceps vers le plafond. Dos neutre, dos plat. 3, pousse vers le plafond. 4, 5, 6, 7. Ça doit être dur avec les poids. Quand même, ça brûle. 10, 9. Moi, ça fait très mal en ce moment. 7, 6, 5, 4. Tu n'as pas besoin d'avoir de peau pour que ça fasse non. mal. Mais non, parce que par toi-même, tu peux faire, OK, je travaille mes biceps, je prends la position, puis tu peux dire, oh, ben, je travaille un peu mes biceps, puis tu peux faire comme, les forcer au maximum, puis tu as super mal. Puis là, nous, on va le faire vite, vite avec les bras tendus. Fait qu'on descend les épaules, bras mis tendus, et 1, 2, 3, 4, 7, 8. Le petit pouce les murs le plus possible. Tes bras sont extrêmement bien tendus. Tu vas plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Quand même en faisant des cercles. Puis là, on va aller vers l'arrière et 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 3, 4. Et relâche. Là, on pourrait faire la même chose avec les bras derrière. Ah, puis on le voit, ton endorphine embarque. Là, t'es comme full plus réveillé. Full plus réveillé. Là, on va faire la même chose. On va lever les coudes. Puis là, on va faire des battements vers l'intérieur. Mais là, nous, on va le faire le plus vite possible. Vous, vous y allez pour vous blesser. Bras extrêmement bien tendus. Et un. Puis là, en pliant les jambes comme ça, là, tu vas aller même par toi-même contracter le bas de tes fesses. Pendu pour vraiment aller solliciter encore plus le bas de tes fesses. Et tu vas le plus vite possible. Bras bien tendus. Tu vas vers l'intérieur, tu respires, puis quand ça devient comme une crise d'épilepsie, on arrête. C'est 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relaxe. Ah, c'est le fun? Quand même. OK, mais on continue nos squats. Puis c'est fini après. Hey, il est 14. Il reste 15 secondes. 15 secondes de squat? Oui. OK, hop, regarde la peau. Ben, on va pomper dans ce cas-là. 1, 2, 3, 4, le ventre est soutenu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Fini.